jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Pierre Rabhi. L'âge de la Terre se compte en milliards d'années. Depuis quelques siècles, l'homme, à travers le développement exponentiel de ses activités, l'accélération récente sans commune mesure de son impact sur les ressources naturelles et les équilibres écologiques, impose à la Terre une transformation d'une ampleur inédite. La cinquième crise d'extinction d'espèces a vu disparaître les dinosaures. De nos jours, une sixième crise semble en marche. En effet, depuis l'apparition de l'être humain, la Terre est soumise à une exceptionnelle accélération du rythme d'érosion de sa biodiversité. Les images, spectaculaires et magnifiques de ce livre, nous aident à appréhender cette mutation et les défis de la crise environnementale. Les auteurs nous proposent un glossaire, richement illustré de 45 mots-clés et concepts scientifiques, devenus simples à comprendre. Un préalable pour modifier nos comportements. Ils explorent les limites de la Terre, les espèces face au changement et les liens, riches, étroits et fragiles, entre la nature et les humains. Il fallait civiliser l'homme du côté de l'homme. La tâche est avancée déjà et fait des progrès chaque jour. Mais il faut aussi civiliser l'homme du côté de la nature. Là, tout est à faire. Victor Hugo.